Raison particulière à ce live, si ce n'est qu'on fait le petit débrief du vendredi et demain, vous aurez la quotidienne sur YouTube où on rentrera un peu plus en profondeur, notamment dans les mouvements court terme des ventes de Grayscale, puisque c'est un peu le sujet du moment. Euh, on a eu un petit pump en fait au moment de l'approbation des ETF Spot, mais ça n'a pas tenu derrière, malgré des volumes qui sont plutôt positif, euh, très positif même pour les ETF spot, ça se passe très bien. Sauf que derrière, il y a un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que grayscale sont en train de vendre des quantités assez phénoménales de BTC et ça crée une pression vendeuse. Donc euh, là, ça fait la deuxième journée, je crois, où on a un net inflow-outflow qui est négatif, c'est-à-dire on a plus de Bitcoin vendus via ces fameux ETF que achetés. Malgré tout, de l'autre côté, vous vous doutez bien que BlackRock et tout ça, eux, ils sont pas en train de vendre. Donc voilà, pour l'instant, c'est un mauvais moment à passer, si je puis dire. Mais qui devrait permettre derrière de, on va dire, redistribuer un minimum les cartes. Pas avoir Grayscale d'un côté qui avait tous les bitcoins et les 11 autres, enfin 10 autres pour l'instant qui n'avaient pas grand-chose. Ça permet aussi voilà, de, de rééquilibrer tout ça. Et c'est quelque chose, dans tous les cas, des ETF spot qu'il faut voir. Au long terme, c'est pas quelque chose d'immédiat. On a eu une pré-spéculation, et euh, on l'a vu hein, au niveau du Bitcoin, l'année 2023 a été extraordinaire. Pour le moment, là on est dans une digestion finalement de ce qui s'est passé. Un rééquilibrage, comme dit Cryptaddict, euh, tout à fait. Euh, je pars sur le chart de Coinbase. On va discuter un peu de tout ça ensemble. Je vais essayer de vous donner quelques charts basiques, comme d'habitude, avec les niveaux de support clés. C'est le cas de Coinbase. On va regarder le Bitcoin. On va regarder Ether. Si vous en avez quelques autres, si possible des grosses capitalisations, parce que les petites capitalisations, euh, voilà, ça n'a pas grand intérêt en général. Ça reste un peu euh, quand c'est un nouveau projet qui sort, jeter une pièce en l'air et voir ce qui se passe derrière. Mais voilà, on va essayer de regarder tout ça ensemble. J'essaierai bien entendu d'interagir au maximum avec le chat. Et donc voilà. Donc on part avec l'action de Coinbase, tout simplement, puisque c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement. Mais surtout, j'avais mon chart qui était là-dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer sur ça Donc déjà, Coinbase, on a eu une année 2023, pareil que sur le Bitcoin, qui a été extraordinaire. On est passé de 31, 32 dollars à pas très loin de 200. On était à 188. Je vais couper la musique comme ça, ça permettra voilà de s'entendre un peu mieux, et euh, donc là, on est en train de faire un retracement pas un retracement majeur puisque quand on regarde comment nous sommes montés, on monte voilà petit à petit en escalier, on a eu un truc un peu plus pentu ici qui a quand même duré 1 2 3 4 5 6 7 8 8 semaines hausse consécutive à compter d'octobre 2023 et jusqu'à décembre. Donc c'était quand même là une, une pente à, un, voilà un peu vénère, un peu dans ce qu'on avait déjà fait à l'époque entre juin 2023 et juillet. Et là donc on revient s'appuyer sur des zones clés avec euh, en premier lieu donc ce double fibo alors en bleu clair je pense que vous le verrez de la même couleur sur votre écran peut-être que ça peut un peu différer notamment pour les daltoniens je ne sais pas mais en bleu clair ici complètement sur la gauche vous avez les fibos euh, non logarithmiques et en orange un peu plus centré le logarithmique toujours est-il on arrive sur le 0,382 à 128 dollars non log, et le log est autour de 123 dollars en 0,236. Donc là, on est déjà sur une zone qui, pour ma part, euh, si aujourd'hui je devais commencer à m'exposer un tout petit peu, commencer un DCA ou quoi que ce soit sur Coinbase, c'est ce qu'on appelle, entre grands guillemets, le premier arrêt. Derrière, on a un autre petit support intermédiaire qui n'est pas un support FIBO autour de 115-116 dollars. Et ensuite, on a un peu plus bas, le 0,5 non-log, qui est autour de 109-110 dollars. Et là, on a la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui colle parfaitement avec le plus gros support de sortie qui est très simple à retenir, qui est plutôt autour de 100 dollars. On peut constater également qu'on a une belle zone de travail médiane ici au niveau du RSI hebdomadaire pour Coinbase. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller puisque dès lors qu'on revient soit un peu autour de cette zone ici de 45 46 mais on peut l'élargir jusqu'à 54 55, on voit qu'on a eu une belle zone de travail par le passé sur lequel le cours est resté pas mal de temps avant par deux reprises de franchir à la hausse. Donc tout ce qui est dans cette zone entre guillemets de RSI est potentiellement donc entre 100 et les 125 dollars d'aujourd'hui m'intéressent personnellement pour recharger doucement au niveau de Coinbase. Après, ça sera consécutif aussi à ce qui est en train de se passer, bien entendu, au niveau du BTC et consécutif, comme vous le savez, au fait que Coinbase ont été les grands choisis pour fournir les, la majorité des 11 ETF Spots. D'ailleurs, on ne parle que de 11 pour l'instant, mais je crois qu'il y en a 13 ou 15 au total, ce qui veut dire qu'il y en a qui n'ont pas encore été approuvés. Donc voilà pour Coinbase, je pense que c'est une lecture qui est finalement assez simple par rapport au reste du marché crypto. Euh, il faut voir ça comme une boîte euh, à la fois liée à la crypto, mais à la fois qui va être valorisée en tant que société pure et dure. Donc faites attention, c'est peut-être un peu différent de ce dont on a l'habitude de voir sur le crypto pur et dur. Malgré tout, euh, voilà, si le Bitcoin et le marché nous poussent des centaines de pourcents, je ne vois pas Coinbase rester hacké. De même que si on retrouve un Bitcoin un jour à 30 ou 35 000 dollars, je ne vois pas Coinbase rester au perché. On revisitera probablement les 100 dollars, peut-être même un peu en dessous. Hein, S'il y avait euh, un début 2024 très compliqué, on peut revenir euh, moyenne mobile 50 et 100 ici autour de 84%. On a un autre FIBO à 75. Voilà, on a des zones de support partout pour Coinbase. Et comme je vous dis, tout ce qui gravite de près ou de loin entre 42 de RSI et les 54-55 ici, la zone de support médiane hebdomadaire, ça peut m'intéresser. Et comme d'habitude, je suis obligé de le préciser. Ça n'est toujours pas du conseil en investissement. J'essaie de décortiquer avec vous le chart que j'ai sous les yeux tout en n'étant pas... Un expert, toujours pas, de l'analyse technique et des marchés. C'est un particulier qui s'adresse aux particuliers. Donc euh, voilà pour Coinbase. Ça fait déjà, je pense, un, un bon petit tour par rapport à ça. On va passer sur le crypto total avec les 1589 milliards. Alors là, c'est exactement comme à l'instant, comme je venais de vous le dire pour les Fibonacci. On a en orange, un peu plus centré au milieu de l'écran, le logarithmique. En blanc, Excentré le non-log. On voit que on a tapé vraiment depuis un bon mois, un bon mois et demi. On va s'approcher petit à petit des deux mois sur le 1600 milliards de marché qui est le 0,382 non logarithmique. Et vraiment, ça a arrêté net, net le cours. La mèche extrême ici, quand elle est venue chercher 1800 milliards, a dépassé légèrement le 0,618 logarithmique, qui est lui-même à 1750. Donc j'espère que je ne vous prends pas trop la tête avec mes logs et non-logs, mais grossièrement, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est qu'on est cloisonné entre les 1500 milliards et les 1800 milliards avec une médiane à 1006. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre et c'est assez facile. D'un autre côté, on a... Un beau support ici, qui est le support de sortie, qui doit être à peu près correspondre aux 25 000 dollars pour Bitcoin, mais qui est un support qu'on viendra chercher que vraiment s'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire par rapport au marché. En attendant, on a la moyenne mobile 20 qui se trouve autour de 1335 milliards et le support le plus direct ici, si on vient le rechercher, qui doit correspondre à peu de choses près avec autour de 40-38 000 pour Bitcoin, c'est les 1 480 milliards à peu près de capitalisation. Mais je reviens bien entendu dans un instant au niveau du BTC. Le Crypto Total 2 en est à 778 milliards aujourd'hui. Que représente le Crypto Total 2 Ce sont les altcoins. Alors, euh, à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux par rapport à ça. Vous allez me corriger en direct dans le chat. Est-ce que le Crypto Total 2 inclut ou exclut les stablecoins Avant de continuer à, à m'avancer là-dessus, j'ai toujours le doute en fait de si le Crypto Total, crypto total 2 pardon, inclut les, les stablecoins. Donc, dites-moi dans le chat si. Euh, ça inclut ou exclut, mais j'ai toujours un doute là-dessus, puisque pareil, il y a des personnes qui disent oui, non, OK, le total inclut les stablecoins, donc on est d'accord. C'est comme ça que je le voyais, mais il y a des gens des fois qui me disaient l'inverse, donc je préfère double vérifier avec vous. Impeccable, je vois que l'auditoire est, <laughs> est bien, bien informé. Donc euh, 778 milliards qui inclut les stablecoins, du coup. Et là, pareil, on est donc dans une petite fourchette où on a le support juste sous les pieds, autour de 720, allez, maximum 700. C'est la zone de sortie ici. Belle zone de travail d'ailleurs qu'on a eu depuis février 2021. Ça avait été le support de mai 2021, de juin 2021, juillet. On fait la deuxième jambe bossière à l'automne 2021. Et derrière, c'est là où ça a craqué littéralement autour de mai 2022. Petite phase de remise à plat pour les altes ici, entre mai 2022 et l'extraction. Allez, on peut considérer à l'automne, fin d'année 2023. On est en train de faire le petit pullback des familles. Les moyennes mobiles sont en train de se dépatouiller. Elles sont légèrement plus avancées du côté de Ether que sur le crypto total de euh, entier, entre guillemets. Et là, pareil, on peut constater qu'on s'est arrêté net au Fibo euh, non log, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça, oui. Qui était autour de 0,5, donc euh, à 850 milliards. Donc on est bloqué actuellement au niveau des altes entre 700 et la borne haute qui est autour de 850 avec un RSI qui là aussi est relativement haut. Et on voit que ça commence à faire le crabe. On a un peu une perte de momentum. Il y avait Income Charts qui montrait que l'OBV avait déjà un peu cassé à la baisse, etc. Donc le mieux qui puisse nous arriver, ce qui serait bien, c'est que désormais. Le Bitcoin continue de faire ses carabistouilles en étant absorbé petit à petit sur les ventes de Grayscale. Les alt continuent de suivre au pas. Plus tard, ce qu'on veut voir au niveau du marché crypto, en tout cas sur la cyclicité telle qu'on l'a connue jusqu'ici, c'est d'avoir le BTC qui enfonce toutes les portes 50 000, 60 000, 70 000, peut-être un jour un nouvel ATH, etc. Direction les 100 000 pour les plus optimistes et plus. Et ensuite, on aura par corollaire. Dans un premier temps, les altes et les grosses caps qui vont suivre à peu près dans les mêmes proportions. Et le jour où on aura des prises de profit du côté du Bitcoin ou qu'il finira par se stabiliser, là aussi, je vous décris juste ce qui se passe au niveau du bull run en général. Hein, ce n'est pas quelque chose à prendre pour argent comptant. On a derrière un ruissellement qui a tendance à se faire donc, de Bitcoin vers les grosses caps des grosses capes vers les moyennes, les mids et ensuite les petites. Or là, ce qui s'est passé en 2023, on a eu direct de Bitcoin vers les mids et les petites, puisqu'il y a eu les quelques derniers participants ou nouveaux participants au marché crypto. Et bien que là, j'ai la sensation en tant que média au niveau des métriques qu'on est toujours dans l'entre-soi, euh, je ne vois toujours pas de nouveaux arrivants réels. Alors, il y en a quelques-uns, hein, c'est clair et net, mais on n'est pas du tout, mais alors pas du tout. Dans un quelconque engouement de début de bull run, de, de, de voilà, on n'a pas des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui interagissent avec notre contenu ou des nouveaux du côté de YouTube qui arrivent en masse. On est vraiment sur un truc complètement flat. Enfin, moi, au niveau des statistiques de YouTube, pour être tout à fait transparent avec vous, ça fait depuis le bear market que mon acquisition, soit un mois, je suis à moins quelque chose parce que YouTube, au fur et à mesure, nous enlève des abonnés. Ça aussi, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Ça, et notamment les inactifs, vous pouvez vous faire des abonnés. Et euh, au mieux, on prend quelques centaines d'abonnés, 100, 150, 200 abonnés par mois. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec les 175 000 abonnés que j'ai sur YouTube, je suis suffisamment gros pour ne plus avoir justement les nouveaux qui s'intéressent à ma chaîne en premier. Et YouTube va pousser des nouveaux créateurs de contenu bien plus dynamiques, bien plus frais, entre guillemets, qui vont pousser du contenu plus adapté et qui vont percer tous les plafonds j'ai percé quelques années au préalable au niveau du YouTube, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que quand on regarde les métriques, franchement, les médias on est très loin d'un réengouement de masse. Ça aussi, ça peut vous servir, hein, tout simplement, de heat map par rapport à l'engouement des particuliers. On est encore très très loin d'un retour euh, positif des particuliers et des nouveaux entre guillemets. Donc, le crypto total 2, voilà, pas plus à dire. On est dans les clous de ce qu'on a vu là aussi précédemment. On sort tout juste d'une phase de réaccumulation qui a duré 18 mois. Après, est-ce qu'on ne va pas avoir encore un peu plus de volatilité Probablement que si. Le crypto total 3 qui, lui, exclut Bitcoin et Ether ce coup -ci. On a le gros, gros support des 415 milliards à peu près ici, où se croisent moyenne mobile 200 et 100. On a la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver la moyenne mobile 50 par en dessous. Là aussi, ça a pris son temps. On n'a pas fait de gros pump frénétiques et malgré tout, on est en train de digérer l'après-ETF. Donc il faudra peut-être aussi pour relancer les altes, c'est ce qui pourrait faire la pluie et le beau temps en 2024, avoir tout simplement l'approbation d'un ETF sur Ether. Ça, vraiment, ça permettrait voilà, de, de signaler au marché qu'on commence à devenir un peu plus sérieux du côté des Altes. Pour autant, c'est loin d'être gagné, puisque les États-Unis, on voit qu'ils y sont déjà allés à reculant avec la ICC par rapport au Bitcoin. Donc, Ether, en 2024, s'il venait à être approuvé, pour l'instant, je vois ça comme un petit miracle, si ça venait à arriver. Je pense qu'on est plus dans le sens, ça risque de ne pas être approuvé, que l'inverse. Après... Comme d'habitude, hein, je demande que ça à avoir tort et à me laisser surprendre positivement. D'ailleurs, par rapport à l'ETF Bitcoin en tant que tel et Gary Gensler, il y a un très bon post d'Alexandre Stachenko qui mettait en avant qu'en gros, ils ont été obligés, quasiment la SEC, de finir par approuver l'ETF Bitcoin, puisqu'il y avait des procès, ils ont perdu, ils sont allés en appel, ils ont reperdu. Et en gros, il y a eu une sortie d'une des cinq personnes qui ont voté par rapport à cette approbation. Elle a fait un long laïus, elle a fait un gros courrier et tout. Enfin, ça a été repris là aussi par Alexandre. Et j'avais pas du tout euh, eu euh, ces informations là ces jours-ci quand on en parlait. En gros, elle disait elle-même vue de l'intérieur que la SEC avait joué son propre agenda, qu'il spéculait. Enfin, spéculer c'est un grand mot, mais qu'il jouait contre les cryptos elle comprenait pas pourquoi Gary Gensler euh, essayait de défoncer autant le Bitcoin alors que le but de la SEC c'est d'être le plus neutre possible et de rendre des décisions en fonction des différents actifs et des demandes qui leur sont faites et en gros elle a marqué noir sur blanc et ça c'est la fin de la SEC telle qu'on la connaît aujourd'hui en gros ils vont certainement tous se faire virer et derrière il y aura une nouvelle SEC euh, voilà avec euh, des nouvelles des nouvelles personnes en tout cas c'est comme ça que je le vois et je vois toujours cette échéance à la fin de année 2024 avec le nouveau président des États-Unis. Je vois pas pourquoi il ne ferait pas le ménage. Enfin, comme d'habitude, après, on verra. Mais toujours est-il, elle était en train d'avouer noir sur blanc et de le marquer en bonne et due forme qu'ils ont fait que de la merde, qu'ils ont comploté contre les cryptos que l'agence partait complètement en couille, etc. Donc, ça va très loin d'une des cinq votantes, d'une des cinq head-off de la SEC. Et euh, voilà, Gary Gensler, il est finito dans ce game-là. Et euh, je ne sais pas ce que ça va donner derrière, mais c'était complètement... Euh, voilà, c'est dingue de, de, de voir des retournements de situation pareils. Euh, Est-ce que ça a été décalé pour mai pour le th euh, Franchement, aucune idée. Comme je te disais... Euh ben, Florent, tu arrives un peu à retardement. J'ai commencé par l'analyse de Coinbase, donc tu l'auras en replay. J'ai passé 5-10 minutes dessus, donc euh, c'est juste que tu ne voilà, tu l'as pas encore. Euh... Effectivement, il y a un commentaire scam dans les commentaires en anglais, donc ne cliquez pas dessus. Je vais essayer de le supprimer, comme je suis tout seul. Euh, Est-ce que j'ai la main <laughs> oh, Purée, je n'ai pas de modérateur. Je ne sais pas s'il n'est pas déjà parti d'ailleurs. Je vais essayer de le bannir. Je sais même pas comment on fait pour vous dire, je suis vraiment une quiche sur Twitch, c'est un truc de fou. Euh, hop, voilà, ça devrait avoir disparu. Mais ne cliquez sur rien, hein, sur le chat. C'était le message de Slacarmorige. Euh, voilà, ne cliquez pas sur les liens, il n'y a pas de lien. Euh, C'était en anglais dans tous les cas, donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire le tout petit aparté. Il y a encore un membre du CTFR qui s'est fait euh, siphonner apparemment 450 000 dollars. Franchement, quand je vois les montants, je pète mon crâne parce que à chaque fois, c'est des gens qui ont des dizaines et des centaines de milliers de dollars sur des hot wallets. Disponible comme ça sur du MetaMask ou du Rabi sans Ledger, ça me fait péter mon front de lire des trucs pareils. Mais bon, euh, après c'est une expérience qui est très très dure et euh, voilà. Hein. Mais si c'est vrai que c'est 450 000, euh, ça représente probablement toute sa fortune. C'est des trucs de zinzin quoi. C'est c'est juste pas possible. Donc ça, faites bien attention de votre côté, quitte à passer pour le paternaliste relou ou que sais-je de la crypto, c'est juste les années aussi d'expérience qui parlent. Essayez d'avoir un appareil dédié ou au moins une session dédiée sur un ordinateur à part sur lequel vous téléchargez rien, sur lequel vous connectez rien et sur lequel vous faites juste vos trucs crypto sans avoir besoin de cliquer sur tout et n'importe quoi. Utilisez un, un hardware wallet de type ledger complètement à part pour votre coffre-fort, c'est-à-dire ce qui n'aura pas à être... Euh, connecté à quelconque autre wallet. Vous faites pas de claim dessus, vous faites pas de trucs chelous, vous faites pas d'airdrop, etc. Donc, euh, globalement, euh, voilà, je pense que le, le best-of, c'est d'avoir deux hardware wallets. Un que vous avez laissé à chaud et sur lequel vous allez faire votre rabis et votre metamask. Et un autre que euh, vous foutez où vous voulez. Mais euh, voilà, vous n'y touchez jamais si c'est votre épargne pour du long terme. Comme d'hab, je prends le parti de me dire que chez CM, ceux qui écoutent au quotidien, c'est bien moins des traders que des investisseurs. On est certainement beaucoup plus axé la chaîne invest que trading actif. Et là aussi, voilà, quand bien même je vous mets des charts au quotidien pour essayer d'avoir des supports et des résistances, ce n'est pas pour ça que toute la journée, je suis en train de cliquer sur mon truc. Je passe quelques ordres au maximum par mois, parfois par trimestre, et j'essaie de tenir mes positions pendant d'autres trimestres pour ensuite en extraire quelque chose. Donc vraiment, ça aussi, c'est important de ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi, et de séparer bien les utilisations que vous en faites. Euh, là, je crois que le dernier qui s'est fait siphonner, là, en, justement par rapport à quasi un demi-million en crypto, c'était qu'il avait téléchargé un plugin ou un truc dans un jeu vidéo. Et il y a une autre personne ce matin qui a fait un témoignage en disant qu'il avait téléchargé un plugin de Fruity Loops. C'est un, euh, comment ça s'appelle déjà, un séquenceur qui permet de faire de la musique, et notamment de la musique électronique. Il euh, y a Ableton, il y en a quelques autres, il y a Logic. Donc euh, voilà, vous pouvez du jour au lendemain cliquer sur une mauvaise photo, cliquer sur un mauvais lien, cliquer sur un mauvais PDF, et vous perdez tout. Donc ça, j'y reviendrai 100 fois s'il faut y revenir 100 fois, mais faites attention à ce que vous faites au niveau de votre hygiène numérique, parce que c'est extrêmement important. Merci Bung 974 pour le 37e mois d'abonnement. Trop cool. Alors, comment le plugin peut accepter, accéder pardon, au Metamask? C'est très simple. C'est un fichier à l'intérieur qui contient un script et le script s'exécute à partir du moment où tu cliques sur ton .exe, ton PDF, ton fichier Word ou peu importe, parce qu'en fait, c'est la problématique aujourd'hui dans l'informatique moderne telle qu'on le connaît c'est que tu peux glisser tout et n'importe quoi en exécutable sur des fichiers qui sont pas censés être des fichiers où il y avait un truc qui se passe derrière, en plus de ce que, tu vois, le, le fichier Word ou le PDF et tout ça. Bah, à l'époque, quelques années avant, avant qu'il y ait tout ça, bah, quand tu cliquais dessus, tu n'avais pas peur de si tu allais avoir euh, je ne sais quoi qui allait s'ouvrir. Et aujourd'hui... Je ne suis clairement pas expert en cybersécurité ou en quoi que ce soit là-dedans, donc certainement que je raconte beaucoup d'approximations, mais c'est comme ça qu'ont été atteints notamment des hôpitaux et tout ça quand il y a des rançons où le gars, il va recevoir un fichier genre euh, les dernières radios de Madame Michou. Le mec, il clique dessus, c'est un, un faux mail qui est plus vrai que nature. Il va cliquer sur le fichier et hop, l'hôpital, il est bloqué et on leur demande 100 euh, bitcoins, tu vois donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué de naviguer dans tout ça à présent. C'est ce qui me fait dire aussi que pour on-board des centaines de millions de gens supplémentaires, on a intérêt à beaucoup travailler sur le côté de la sécurité et de la facilité d'utilisation parce que là aujourd'hui pour moi ça ça reste une aberration de tout le temps avoir entre guillemets pour parler poliment la crotte au cul tous les matins de se dire de si tu vas pas cliquer sur un lien une fois que es fatigué que t'as pas fait gaffe que ça vient d'une personne de confiance qui s'est fait pirater il suffit d'un instant de vraiment pas faire attention et voilà tu te fais tu perds tout, tout en historique tu perds tout quoi toutes tes cryptos et potentiellement des sommes. Là, quand on parle d'un demi-million, je pense que, vu le profil que c'est, c'est quelqu'un de relativement jeune, je dirais autour de 25 ans. Un demi-million à 25 ans, ça te change complètement la vie. Donc, euh, c'est juste pas possible. Et je dis pas ça pour l'accabler ou quoi que ce soit, mais c'est des trucs, ça me fait péter un câble quand je vois ça, même quand c'est des personnes de la communauté qui ont perdu 5 ou dix mille et tout ça. Hein. C'est toujours aussi dramatique. Mais c'est vrai que ça arrive si facilement et en un claquement de doigts que c'est vraiment grave, quoi. C'est chaud. Donc, je pense qu'on a assez parlé de tout ça. Je n'ai pas envie de plomber l'ambiance non plus, mais voilà. C'est très, très important que même si aujourd'hui vous avez 500 dollars en crypto, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et essayez de petit à petit vous intéresser aussi à ce qu'on appelle justement un peu vulgairement l'hygiène numérique d'avoir un mail à part, un mot de passe spécifique. Le 2FA activé, si possible, pas le 2FA de votre téléphone, un 2FA authentificateur ou une clé Ubiquée, euh, tout ce genre de trucs. Et après, à partir du moment où vous avez des montants importants, il y a encore bien d'autres choses à mettre en, en place pour ne pas avoir de problème de type euh, sous la contrainte. Quelqu'un qui saurait pour X ou Y raison que vous avez des cryptos, bien entendu que vous ne pouvez pas garder un demi-million là, comme ça avait l'air d'être le cas sur un MetaMask. C'est une aberration absolue. Donc, il euh, y a plein de choses à mettre en place de, en fonction des montants que vous avez et en fonction de euh, justement cette sensibilité au risque, puisque ça représente un risque supplémentaire. Oui, on pourrait faire un dossier sécurité. Ça fait longtemps que ça me traverse l'esprit. D'ailleurs, il y a un gars de notre Discord qui avait fait un protocole Fornox, un truc dans ce style. J'ai réussi à retrouver ça récemment. Je verrai avec la, question, la personne en question, pardon, si euh, on peut vous faire un truc. C'est un truc en gros où le gars il avait pensé à tout, euh, que ça soit le, le gars sous contrainte, que ça soit la, la comment ça s'appelle, j'en perds mon latin, euh, la transmission quand quelqu'un meurt. Admettons, vous êtes, euh, je sais pas moi, père de famille ou euh, voilà, vous avez une femme, vous avez deux enfants. Et personne ne sait ce que vous faites dans la crypto ou ce que vous avez gagné. Vous avez allez, 100 000 ou euh, comme cette personne-là, un demi-million. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Vous sortez de chez vous, vous traversez un petit 38 tonnes qui vous passe dessus. Oh, et comment on fait pour récupérer le demi-million de papa? Et en fait, euh, c'est plein de petits trucs à la con comme ça auxquels on ne pense pas tant que ça n'est pas arrivé, mais qui, par le passé, on l'a déjà vu, il euh, y avait des gens qui avaient des millions, des dizaines de millions, et la famille n'a strictement pu récupérer quoi que ce soit. Si le gars n'avait pas un minimum laissé euh, les clés, entre guillemets, du coffre. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est assez compliqué, quoi. C'est euh, des trucs euh, auxquels on ne pense pas forcément, mais auxquels il faut. Euh, voilà, de temps en temps, faire des petits rappels. Euh, ce n'est pas, pas super cool d'un autre côté de devoir en parler parce que ça a un rapport à la perte, c'est un rapport à la mort, c'est un rapport euh, à, à des gens qui se font braquer pour leur crypto, enfin plein de trucs euh, super atroces à vivre. Mais voilà, on vit quand même dans un monde euh, qui est ce qu'il est, avec beaucoup d'envie, de convoitise. Euh, et c'est vrai que... Là, les hackers, euh, notamment le Lazarus Group qui euh, officie depuis pas mal d'années, euh, ils se sont spécialisés, j'ai l'impression, dans les cryptos et ils font un travail euh, qu'on pourrait qualifier de remarquable pour voler les gens, mais avec euh, un degré de, de, de conviction quand il s'agit de faire croire des choses aux gens quand vous cliquez sur des trucs et tout ça. Euh, n'importe qui tomberait dans le panneau même il y a des gens qui travaillent dans la cybersécurité qui finissent par se faire siphonner d'un wallet et ils disent euh, je sais même pas comment c'est arrivé enfin après il y a un peu de rétro-ingénierie et tout ça ils finissent toujours par retomber sur leurs pattes mais on a atteint un niveau de, de vraiment de, de spécialité là-dedans c'est assez fou quoi euh, donc le crypto total 3 qui exclut Bitcoin et Ether entre 400 milliards et le point haut des 500 et plus. On passe au Bitcoin. Monsieur Bitcoin, alors, euh, que je vous dise pas de bêtises, il faut que je vérifie. Le bleu, c'est le logarithmique. OK. Donc en blanc, on a le nom logarithmique, qui d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Euh, OK. On est plutôt comme ça. Alors, euh, que dire du Bitcoin Le Bitcoin, il y a plusieurs choses. On a eu une année 2023 extraordinaire, 15 000, 50 000, enfin 50 000 qu'on est venu chercher début 2024, mais on va dire, allez, on va dire les, les termes pour les termes. On a fait 15 000 à 45 000, donc année 2023 extraordinaire. Pour autant, euh, quand on regarde un peu ce qui s'est passé précédemment, notamment en 2019 ici, alors on manque un peu d'historique, on est sur Binance, mais bon, ça ne change pas grand-chose. On a eu une repoussée qui était assez phénoménale entre les 3000 et les quasi 14 000 ici, euh, sur le printemps 2019. Ça n'a pas empêché derrière qu'on a eu une correction assez magistrale qui nous a ramené autour de 6-7 000. Le crack Covid, alors ça... C'est quelque chose qui j'espère ne se représentera pas de sitôt, bien entendu. Un signe noir sur un marché financier, n'est pas censé arriver tous les quatre matins. Mais comme d'hab, deux par sa nature purement imprédictible. Voilà, c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête en mode bouton rouge tilt. Que se passe-t-il si un jour, pour X ou Y raison, on a le marché crypto qui perd la boule et on revoit un Bitcoin à 20 000 ou que sais-je Donc ça. Ça reste, on va dire, le petit fusible que vous devez avoir dans votre tête, mais qui a assez peu de chances de se produire. Quand on regarde là ce qui s'est passé à court terme, belle spéculation juste avant l'arrivée de l'ETF Spot. Et là, maintenant, on est un peu dans un petit range où on se demande où on va, pourquoi, quand, comment. Mais surtout, maintenant que l'ETF Spot s'est fait, on va vers la nouvelle échéance qui est le halving. Et le halving, il est par là. Je vais vous mettre une barre. On est là à peu près mi-avril, donc euh, on n'est pas très loin. Donc euh, dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'on peut faire En gros, il y a deux scénarios, je pense, euh, puisque le troisième haussier, pour l'instant, pour moi, il n'a pas lieu d'être avant le halving. C'est soit on continue comme ça de faire le yo-yo dans un range resserré entre 39. Et la borne ici en hebdomadaire avec toutes les bougies qui s'étaient arrêtées autour de 44-45. Donc ça, ça serait vraiment bizarre de voir un truc latéralisé pendant trois mois. Ou bien on vient chercher la petite baisse ici, moyenne mobile 20 autour de 35-36 000. Ça, je pense qu'il y a de grandes chances que ça se réalise au vu de la perte de momentum du moment donc autour de 35, gros support à défendre. Je ne le vois pas aller en dessous de 35, mais ensuite, on a encore du support à 31, 32 et on a les moyennes mobiles 50 et 200 qui sont en train de croiser à la hausse autour de 30, 31 000. Donc, ça vous donne une fois de plus pas mal de supports dynamique. Toujours est-il, si le marché ne nous la fait pas à l'envers, qu'on vient chercher 35 000 ici, on refait ici un petit, une petite zone de travail et ça nous permettra de nous extraire par la suite avant ou après le halving sur quelque chose de relativement propre et d'avoir expurgé ici toute la périodicité ETF spot, halving, pré-spéculation et de savoir où on va surtout après le halving par rapport au coût électrique. Parce qu'aujourd'hui, on a un bitcoin qui se produit. Entre 15 000 et 20 000, peut-être dans ces eaux-là, en moyenne, peut-être 25 000 dans les pays euh, en Amérique et tout ça. Après le halving, on a des sons de cloche qui sont un peu différents. On serait entre 25 euh, pour les moins chers à autour de 38 pour euh, le rapport américain qui était paru récemment. Donc. Euh, entre 25 et 38, on est, si on fait une petite moyenne, autour de 30 et des brouettes, 32, 35. Et une fois de plus, on revient autour de la zone dont on parlait à l'instant, autour de 35 000, 30, 35 000. Donc toute cette zone, un peu avant ou un peu après le halving, ne me paraît pas déconnante au vu des informations que nous avons en ce moment par rapport justement à ce pricing du halving. Il y a autre chose à prendre en considération, un dernier point qui est externe au marché crypto, c'est le pivot de la Fed, les États-Unis. Et quand on regarde au niveau du SP500, on revient chercher les points hauts. On est autour des 4800 points, c'est le point haut extrême. Est-ce que ici, ça va passer, venir nous faire un truc comme ça, chercher les 5000 points, avoir le RSI qui vient chercher le surachat, alors que d'habitude, dès qu'on sort un peu la tête de l'eau, ça se fait repousser derrière. Voilà, personnellement, d'un point de vue du spéculateur, est-ce que j'ai envie de payer le breakout avec un RSI qui est aussi haut au niveau du SP 500 et toutes les chances pour qu'on nous la fasse à l'envers, la petite sortie, et hop on a le renversement au moment du pivot de la Fed. C'est plutôt ça la question. Personnellement, si on devait me, me poser la question en termes de ratio, je serais plutôt en faveur d'un 80-20 sur un retracement par rapport à on passe et on fait un bull run to the moon. Après, au niveau de l'année électorale, quand on regarde les statistiques, en général, c'est une année qui est plutôt soutenue par les marchés, puisqu'il y a aussi un agenda politique derrière, et euh, j'ai aucune idée de qui sera le prochain président des États-Unis à l'automne. Donc, euh, ça fait beaucoup d'incertitudes, ça fait beaucoup de choses à intégrer pour le marché, et il ne faut pas non plus oublier que quand le marché commence à prendre peur, il y a pas mal de choses qui sont vendues, qui sont vendues rapidement. On a des mouvements qui sont assez forts parfois. Donc voilà, quand on est quand même relativement haut et sur des points clés, des points durs, personnellement, j'ai tendance à faire attention à ce qui pourrait se passer derrière. Et c'est ce qui me met un peu sur la retenue aussi par rapport à tout ça et par rapport aux cryptos. Je lis le chat vite fait. Je vois que vous n'avez pas énormément parlé. Donc. Euh... C'est vrai que quand je fais tout seul, du coup, je parle beaucoup tout seul, mais bon, c'est comme ça. Il y a un message intéressant de Bung. Alors, je ne vais pas traiter de la première partie de la question dont vous discutiez ensemble, parce qu'après, donner des points d'entrée ou des points de sortie et tout ça, et des plans d'investissement, c'est à vous de le faire. Je ne suis pas conseiller en investissement, comme je le répète que trop souvent, entre guillemets. Par contre, il y a un truc intéressant. C'est qu'en ayant discuté avec des gens d'horizons complètement différents et qui ont un milliard de fois plus d'expérience que moi dans les marchés, dans les banques privées, dans les machins, dans les placements, dans les historiques, enfin voilà, j'ai vraiment eu de par ma position en tant que la, la possibilité et la chance immense d'être en contact avec des gens auxquels j'aurais pas pu prétendre quelques années au préalable, des chefs de projet, des gens qui travaillent dans des banques, etc. Et en gros, ce qu'il en ressort au niveau du market timing, c'est effectivement la régularité, mais surtout, eux, ils restent persuadés, les, les gros assets managers et tout ça, que peu importe quand tu rentres sur un marché, quand on parle du SP500, euh, bien entendu, ou par exemple le Amundi MSCI World ou des trucs comme ça, qui sont des ETF qui vous permettent d'avoir... Euh, sur des dizaines d'années quand on regarde comment ça s'est passé précédemment et là aussi c'est pas gage du futur bien entendu mais on essaie voilà de faire une moyenne honnête et honorable, il y a comme ça des indices qui vous donnent à peu près du 6, 8, 10% par an. donc on va dire allez peut-être du 6 net entre 6 et 8. Et c'est vrai que la majorité des assets managers n'arrivent pas à surperformer l'indice, c'est déjà une première chose. Mais en plus au niveau comme ça de, du timing pur et dur, quand bien même tu rentrerais sur le mauvais timing, au mauvais endroit, au mauvais moment, quand tu rentres sur un tracker ETF, SP500 ou MSI World, normalement à un horizon de temps de 2, 3, maximum 5 ans, le fait qu'au début tu vas être rentré au mauvais endroit et que tu vas perdre sur ta première année, si tu rentres comme là potentiellement sur le top du SP500, si derrière ça chute, tu vas te prendre aller moins 5, moins 10, moins 15% sur ta première année sauf que l'année d'après et l'année d'encore après, mis à part si on rentre dans une grande dépression ou que sais-je, là aussi voilà depuis les années 1929 je crois, on n'a pas revu de truc complètement barge dans ce sens, mais normalement au niveau du prix lycée, quand bien même tu rentres au mauvais endroit au mauvais moment et en une seule fois, la chose qui la plupart du temps n'est pas top à faire, mais eux ils défendent aussi ça, eh bien à un horizon de, temps de quelques années de plus, tu vas relisser de nouveau ton prix euh, qui va revenir peut-être pas au fameux 8% par an si tu es rentré sur un moins de 10, moins 15, bien entendu, mais derrière le fait de refaire plus 8, plus 8, plus 8, eh bien, à un horizon de temps de 5 ans, les moins de 10, moins 15 du début, toujours si tu es rentré au pire endroit, au pire moment et en une seule fois, vont être lissés pour t'apporter à peu près sur 5 ans du 5% au lieu de 8%. Ce qui veut dire que même la personne qui rentre one shot sur des gros indices, sur des gros ETF. C'est en tout cas le postulat des gestions de fonds et des banques privées. Ils pensent que le market timing a excessivement peu d'intérêt pour les particuliers. C'est ce qu'il faut en retenir. Après, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux euh, Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Est-ce que les particuliers sont armés pour euh, être meilleurs que des fonds de gestion, des assets managers et timer mieux le marché voilà, ça va dépendre aussi de votre profil. Si tous les jours vous êtes en bourse et que vous vous intéressez aux cours, probablement que peut-être en faisant un peu de stock picking, vous pourrez réaliser de temps en temps de meilleures performances. Mais au long terme, j'ai quand même un doute sur le fait que le particulier qui petit à petit se constitue un PEA ou que sais-je, il euh, y a quand même assez peu de chances qu'il surperforme l'indice quand on a des professionnels qui eux-mêmes ne surperforment pas l'indice. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà par rapport à ça, c'était le petit aparté, mais je pense que c'est intéressant aussi de, de le dire. Avec l'exemple de ceux qui ont acheté juste avant le Covid, effectivement. Et bon, après le Covid, ça, il y a eu une telle injection monétaire, euh, on avait quand même perdu, je vais vous le mesurer, le gars qui était rentré ici en février 2020, il s'est quand même mangé moins de 35%. C'est un truc qui arrive excessivement peu souvent, parce que quand on mesure les autres drawdowns au niveau du SP500, là on était sur moins 20%, euh, le dernier, là, qui était vraiment bonheur, hein, celui-là, entre janvier 2022 et euh, l'automne euh, 2022, on était sur moins 27. Et là, si on regarde récemment, avant d'avoir fait la remontada, on était sur moins 10. Donc là, c'est vrai que celui qui se serait pris moins 35 en étant rentré one shot, c'est horrible. Je veux dire, se prendre moins 35. Sur un marché comme le SP500, c'est limite pas entendable, mais c'est à la hauteur de ce qui s'est passé au moment du crack Covid. Et derrière, comme tu viens de le dire, quand bien même le gars il serait rentré one shot à 3400 points, derrière, il a récupéré 41% s'il n'a pas repayé les points bas, bien entendu. J'essaie vraiment là de faire euh, le plus dur du dur hein, par rapport à une personne qui serait rentrée haut, qui aurait juste hold et qui aurait bénéficié derrière d'une de, certaine hausse. Donc euh, quand tu regardes 2020 à ici le point haut 2021, certes, les conditions ont été extrêmes par rapport à tout ça, mais ça fait quand même une hausse de 40% si tu es rentré au pire moment. Donc, euh, franchement, je ne sais pas si le SP500 pourra continuer de nous offrir ce qu'il a offert depuis des dizaines d'années. C'est quelque chose aussi à prendre en considération quand on investit dans des ETF, d'autant plus que maintenant, c'est le laïus généralisé, les particuliers veulent tous investir dans des ETF, puisque c'est le meilleur moyen de s'exposer sans se mouiller, entre guillemets, sans se salir les mains et avoir à faire des grands devoirs pour faire du stock picking. Mais c'est vrai que, voilà, quand on regarde la courbe même en mensuel, hein, c'est assez dingue. Et malgré tout... Est-ce que on est aux prémices ici avec une petite asséance d'un bull run phénoménal continu au niveau du S&P 500, ou est-ce qu'on va nous refaire un moins 10, moins 15, moins 20 une fois qu'il y aura eu le pivot de la Fed. Voilà, c'est plutôt ça la question. Et là aussi, j'essaie de suivre des analystes plutôt calés en bourse trad. Il n'y a personne qui est d'accord pour dire pareil. Il hein. y en a un qui te dit on va aller à 6000 ou 7000 points à un horizon de temps de 3 ans. Il y en a un autre qui te dit on va revenir à la moyenne mobile 200 à 2400 points. Donc <laughs> vous voyez qu'au niveau de la trad faille, c'est exactement pareil que chez nous. Il y en a un qui va te dire Bitcoin 10 000 et il y en a un qui va te dire Bitcoin 100 000. Donc euh, c'est après à nous d'essayer de faire la justice. Par des choses. On va passer un petit coup sur Ether après et je passerai un ou deux haltes rapido presto, euh, éventuellement des haltes que vous, vous voulez voir et ça nous fera une petite heure ensemble et ça sera pas mal. Surtout quand on parle tout seul, après c'est 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 euh, voilà assez épuisant entre guillemets pour, pour le speaker. Cryptadict qui nous dit qu'il est rentré en février 2020, 15 jours après avoir fait All-in Crypto plus, plus Bourse et qu'il s'est fait recte d'entrée. Bah, franchement, c'est con à dire, mais quand tu rentres sur le marché crypto euh, ou même sur le, la bourse tradie, plutôt que de rentrer sur un point bas qu'au début, tu ne maîtrises pas et tu sais pas du tout où ça en est, puisqu'au début, tu rentres un peu à l'aveugle, tu essaies de te faire un avis vite fait, mais la plupart du temps, la première fois, tu rentres à l'aveugle. C'est bénéfique, je trouve, de rentrer au mauvais endroit la première fois, puisque derrière… Tu vas de suite être confronté à ta psychologie de si tu es fait pour ça ou pas, et de si tu arrives à l'endurer, entre guillemets, ce truc un peu de douleur où euh, tu viens de mettre 1000 balles et tu te retrouves à 800, puis à 600. Tu vois tout qui chute, tous les réseaux qui sont en mode ça y est, c'est la fin du monde, vendez tout. Et c'est là où, si tu passes ce baptême du feu, et il vaut mieux le passer le plus rapidement possible, en général, sur les marchés, pour savoir où tu en es, toi, psychologiquement. Voilà, je trouve que c'est quand même euh, un truc qui t'envoie te, un miroir de toi-même assez euh, dur, c'est clair et net, mais qui fait le tri entre celui qui va jeter l'éponge, ok, je récupère mes 800 dollars, j'avais mis 1000, c'est descendu à 800, voire à 600, ok, je me suis fait avoir, les marchés, ce n'est pas pour moi, ciao, et ils partent ou bien bah, petit à petit ils essaient voilà, de comprendre comment ça fonctionne et comme on le dit il n'y a pas des gens plus intelligents ou plus bêtes que d'autres hein, sur les marchés il y a juste des gens qui essaient de comprendre à peu près comment ça fonctionne est-ce que je vois une vraie hype ETF, ETF, ETH, purée c'est difficile à dire, euh, aucune idée franchement par contre on va traiter de Ether du coup vite fait mais euh, les hype et tout ça tu sais maintenant avec les quelques années d'expérience je me méfie à mort hein. Là, j'ai relu vite fait mes tweets récents et en gros, j'avais partagé un tweet en disant quand il y a eu la pub il y a 4 ou 6 jours là, sur Times Square en mettant ETF Spot approuvé BlackRock, c'était la même couleur qu'ils ont utilisé ces enfoirés et le même bandeau que pour l'introduction en bourse de Coinbase. Et ça, dans ma tête... <laughs> Ça m'a foutu pu un putain de warning en mode vendez tout, tu vois, à partir du moment où tu as le truc qui clignote sur Times Square et regarde ce qui s'est passé quelques jours plus tard. On est passé de 46, 45 à 40 000, 41. Donc, euh, je veux dire, il y a des signaux qui ne trompent pas avec l'expérience et ça, ça en fait partie. Et c'est complètement fou de se dire que systématiquement, quand tu prends un peu de recul et que tu as un peu d'expérience, tu vois des trucs comme ça qui se repassent en boucle et c'est toujours la même psychologie. Là, en fait, ce qui est en train d'arriver au niveau du Bitcoin, au-delà du fait que Grayscale y vendent plus de Bitcoin que ce qu'ils sont absorbés, ça va durer un certain temps, mais ça va pas durer bien longtemps. C'est les gens qui ont acheté à 49 000 en mode FOMO, ça y est, on part vers la Lune. Je voyais des gens qui disaient 70 000 à la fin du mois, l'ATH va être pulvérisé, ça y est, l'ETF est arrivé, to The Moon, etc. J'ai été dans cette position au premier trimestre 2021. J'étais sous opium complet, j'étais fou, j'étais en mode cheval fou au premier trimestre 2021 ce qui aujourd'hui avec le recul et avec l'expérience m'a permis aussi d'acquérir cette expérience puisque j'étais en train de traverser mon tout premier cycle en tant que CM, mon premier cycle en tant que bullrun puisque 2017 je n'avais pas participé et je suis rentré en 2018 en perdant la moitié de mon fric. Donc en fait, il y a eu beaucoup de choses où j'ai mis beaucoup de temps de mon côté en tant que CM et en tant que personne à comprendre comment ça fonctionnait. et à partir de là, voilà, c'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que Là, Ether en tant que tel, euh, franchement, je ne sais pas s'il y aura une hype parce que ce qui me pose problème par rapport à Ether, ce n'est pas un vrai problème, hein, mais c'est mon questionnement, c'est comment ils vont le considérer à partir du moment où il est passé en proof of stake. Si on était toujours en proof of work comme Bitcoin, tu as eu l'approbation euh, Bitcoin par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui, je pense que c'était open bar et porte ouverte par rapport à Ether. Là, ce que vont défendre la SEC, Gary Gensler, tant qu'il est là, et toute la compagnie autour de lui, c'est cette problématique. C'est comment on doit considérer l'ICO d'Ethereum, comment considérer un actif qui est passé en proof of stake qui déclenche du rendement derrière, pourquoi ça ne serait pas une security, etc. Tu vois, c'est plutôt ça le, le raisonnement. Donc, euh, peut-être que Ether, pour l'instant, est sous-coté par rapport à ce qu'il représente, j'en ai strictement aucune idée. Ça a été souvent le postulat aussi de Bitcoin, qu'on a régulièrement parfois dans les lives du lundi. Pour lui, il ne comprend pas pourquoi Ether aujourd'hui est entre guillemets boudé du marché. Et peut-être qu'il continuera de l'être, hein, puisque ben, c'est les acteurs du marché qui ont toujours euh, le dernier mot. C'est le marché qui a raison. Ce n'est pas nous et nos petites pensées de particuliers qui faisons la pluie et le beau temps, loin de là. Mais c'est vrai que ça laisse se poser quand même pas mal de questions sur comment va être interprété dans les prochains trimestres Ether. En tout cas, au niveau de l'analyse technique, petit triangle, rectangle ascendant, toutes les moyennes mobiles sont alignées. Alors, je zoome à fond pour que vous le voyez. Mais en gros, on a la 20, on a la 50, on a la 100 et on a la 200. Alors, c'est léger parce que même la 200, ne va pas tarder à croiser à la hausse la 100. Mais voilà, on est dans les prémices de ce qui pourrait s'apparenter. À une sortie bien travaillée ici de, de range autour de 2100 dollars. On a fait l'appui entre 2100 et 2400 depuis un mois, un mois et demi. Et là maintenant, c'est de décision avec si jamais on devait revenir s'appuyer. Bien entendu, dans un premier temps, ce range entre 2100 et 2400. Et au pire du pire, toute la zone élargie ici entre 1800 et 1900, où se trouvent désormais toutes les moyennes mobiles. Là aussi, de la même façon que pour Coinbase c'est extrêmement lisible Ether. Quand on me demandait ici à l'époque quand on se prenait des énormes bougies rouges euh, qui étaient des bougies des enfers avec 12 semaines de baisse consécutive, là j'avais envie de prendre une corde et clairement de me pendre, tu vois. On me demandait "Ouais, tu penses que ça s'arrête tout, pourquoi, comment À l'époque où on était autour de 800 à 1000 dollars, on pensait qu'on pourrait revenir autour de 300-400 dollars pour Ether et c'était une atrocité quand on voit de où on venait, proche de 5000 dollars. Pour autant quand on regarde à l'époque, quand on est passé ici de janvier 2018 autour de 1400 et qu'on l'a vu à 80 dollars, inutile de vous dire que là aussi c'était une atrocité. C'était exactement le même motif, le même laïus. Enfin bref, ça n'a pas changé. Les bear markets euh, marquent les esprits. Donc là, les supports ils sont bien définis. Derrière, est-ce que vous êtes plutôt Bitcoin, est-ce que vous êtes plutôt Ether ou est-ce que vous êtes plutôt les deux ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Et ensuite, au niveau des projections, du prix, plus tard, bien entendu, il y a les 4900 dollars que représente l'actuel ATH, c'est-à-dire l'ex-point le plus haut que a jamais atteint Ether. Et ensuite, je vous laisse libre cours à votre imagination pour ceux qui veulent voir un Ether peut-être un jour à cinq chiffres, c'est-à-dire à 10 000 dollars. On verra si ça arrive, si ça n'arrive pas. Je n'en ai aucune idée actuellement. Mais pour avoir un Ether aussi haut, entre guillemets, il faudra probablement voir de nouveau un Bitcoin à 70 000, voire un Bitcoin qui s'approche de 100 000. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération au niveau des différents market cap. Et ce qui voudra dire qu'en capitalisation crypto totale, on sera très sensiblement, probablement, au-dessus de l'ex-ATH des 3 000 milliards pour se diriger vers du 5 000, 6 000, etc. Donc là, pour l'instant, voilà, on est là où nous en sommes, entre guillemets, mais je n'ai pas envie clairement de, pour ce début 2024, vendre trop d'espoir ou quoi que ce soit, puisque j'essaie d'avoir le discours le plus neutre possible sur la chaîne euh, pour essayer, voilà, de vous apporter des informations, mais sans essayer de tirer la couverture vers X ou Y truc. Euh... Je vais regarder rapidement les gagnants perdants du moment. Alors, il y en a pas mal qui se sont fait dégager. Oui, en perdant, on a les miniards hein, qui sont en train de se faire pas mal malmener. Donc, il euh, faudra regarder du côté de Marathon, Galaxy, Hot euh, 8, on a des retracements euh, relativement importants là de suite il faudrait que je fasse les fibos etc comme sur les autres pour vous donner les supports mais on voit que ça a déjà bien bien corrigé, le RSI arrive en zone médiane pour Marathon, c'est également le cas pour euh, Galaxy et Hut8 euh, qui est très bas il a un peu moins peut-être de momentum, un peu plus de volatilité Hut8, donc à voir il y a Canaan également Canan qui est très baissier par contre. Euh, ouais, clairement, là, Canan, c'est assez décevant pour le coup. Euh, on avait Riot, je crois que je l'ai déjà passé. Non, on est sur support. Riot autour des 10 dollars. Lui, par contre, il est un peu plus propre que les autres. À voir parce qu'on a un peu la réciproque de ce qui s'est passé ici précédemment. Un peu une épaule tête-épaule inversée. Et là, on l'a dans le bon sens de la marche. Donc, euh, il ne faudrait surtout pas perdre les 9,50 ici sous peine de descendre un peu à la cave. Hein, pour... Donc, les minières... Euh, ça a été préspéculé avant. On a les grosses banques d'affaires qui sont rentrées à hauteur de 5, 10, 15 du capital total des minières selon les entreprises. Et là, on a un rééquilibrage qui est fait justement par rapport au fait que le halving va passer et qu'on ne sait pas s'il y en a qui vont survivre ou d'autres qui vont péricliter. Et donc, il faudra faire attention à ça par rapport à l'industrie minière en tant que telle. Je regarde du côté des gagnants et on voit qu'on a Chainlink qui est toujours dans le vert autour de plus 6%. Là aussi, ça fait penser à ce qui pourrait s'apparenter à un petit bull flag. Donc, si on prend en considération qu'on est légèrement comme ça, au pire du pire, on est dans un range entre 13 dollars et la borne haute autour de 16. Donc, clairement, Chainlink qui nous fait aussi un cas d'école hein, de chartisme, c'est intéressant de voir. À quel point on a eu une belle remise à plat ici et ça pouvait être le trade de l'année 2023 pour celui qui avait pas envie de trop se casser le cul. Après, comme d'hab, c'est vrai qu'on savait pas sur ce long range qui a duré de mai 2022 à l'extraction en octobre 2023 ce qu'allait nous donner Channing, si ce n'est que les fondamentaux qui poussent sur les réseaux sociaux sont très positifs. Donc, ce que ça quand vous suivez un actif qui se remet complètement à plat comme ça pendant très longtemps et que les fondamentaux sont là. C'est pas ce qui va offrir euh, des rendements complètement stratosphériques, mais quand tu achètes un truc entre 5 et 10 et que par la suite il t'offre 15 et j'espère plus tard un peu plus et que vous pouvez le staker en plus en ayant du rendement, Chainlink, voilà, ça en fait un actif qui, sur le papier, fondamentalement est sexy, spéculativement se tente en tout cas, on peut prendre potentiellement le risque au vu du chart et voilà. Et derrière, euh, c'est bon, il appartient à tout à chacun de se faire une opinion, bien entendu. Je lis le chat, revoir ETH sous les 1800, aucune idée. Il faudrait quand même qu'il y ait un catalyseur très baissier. Ce qui voudrait dire aussi que si on revoit ETH à 1008, c'est qu'on revoit Bitcoin sous les 30 000, tu vois, à peu près au niveau du ratio. Donc euh, là, comme ça, j'ai plutôt l'impression que ETH contre Bitcoin, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui font un peu de chart, a défendu son support et est en train de se retourner doucement mais sûrement. Donc on est plutôt dans un moment où ETH est censé gagner du momentum plutôt qu'en perdre. Et contre le dollar et contre Bitcoin. Après, si ETH se retrouve à 1005, c'est qu'il s'est passé une giga couille et voilà, on sera obligé de composer avec. Alors je vois que ça demande pas mal de trucs. Euh, Arbitrum, Optimism, Acceler. Euh, je vais essayer de les classer par symbole. On va voir si j'arrive à choper tout ce que vous voulez. Et on clôturera là-dessus. Alors Arbitrum, il est là. Arbitrum, que dire Extrêmement boule hein, sur euh, cette année. Euh. D'ailleurs, euh, voilà, comme d'habitude, c'est pour faire la petite rétrospective. Mais il y avait un W ici qui était parfait. Donc, euh, il est légèrement décalé. Euh, ça aurait été un peu plus propre autour du dollar symbolique ici, bien que euh, on a eu un pullback et tout dessus. Non, en fait, euh, il était quasi parfait. Mais voilà, pour le chartisme, entre guillemets, pour les nuls. Ça quand vous avez un double creux comme ça et qui plus est sur une même zone de prix, on dirait euh, presque un, un fion quoi. <laughs> Mais bref, euh, ça c'est quelque chose qui sur un point bas peut être annonciateur effectivement d'un retournement, ce qu'on a eu sur Arbitrum. Donc c'est vraiment là le chartisme pour les nuls pour le coup. Euh, il est très haut, alors il faudrait faire un petit fibo pour voir où nous en sommes parce que là ça vaut le coup au vu de l'amplitude. C'est un fibo logarithmique, le 0.382 est ici autour de 1.77, on a le 0.5 autour de 1.56 et la zone de sortie qui n'est pas si dégueu hein, quand on y pense avec le 0.618, pas mal aligné ici tout ça autour de 1.38, 1.40$. Donc euh, clairement, Arbitrum, j'en ai un peu en portefeuille. Si on venait à me redonner la, la zone de sortie par là, autour de 1,35, 1,40, ça peut vachement m'intéresser. Après, lui, c'est pareil, il est en train de connaître son premier précycle. Est-ce que c'est un actif qui va pouvoir pousser beaucoup plus J'en ai strictement aucune idée, mais ça fait partie des bons élèves qui se sont bien développés pendant le dur de ce bear market et qui proposent une véritable valeur à la blockchain avec le, la possibilité de layer 2. C'est le cas de Optimism aussi. Mais voilà, c'est des trucs qui, au niveau de l'infrastructure, sont nécessaires et sont importants. Après, est-ce que le token, lui, l'est Ben ça, je vous laisse spéculer ou non dessus. Euh, je vais faire Accélar dans la foulée et du coup après Optimism et je pense que ça ira bien pour aujourd'hui. Alors, Accélar, pareil, on a eu une un fin d'année 2023 assez folle. Euh, le truc, c'est qu'il y a encore des tokens qui sont releases, si je dis pas de bêtises. Bon, ça va être le cas pour une majorité d'autres. Hein. On est autour du 0,382 qu'on a franchi à la baisse, autour de 92 centimes. Le 0,5 qui est autour de 80 centimes, le 0,618 qui est autour de 70 centimes et la moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui à 63 centimes. Et là, pareil, si vous voulez, on a besoin vraiment de digérer, puisque c'est quand même un token qui est passé de 31 centimes à 1,30 On a fait plus 318% en quoi En trois mois, même pas, à peu près sur Accelar. Donc, belle remontada, un fondamental qui est bon, une équipe qui est bonne, malgré tout. Euh, je ne sais pas si ça sera quelque chose qui sera bien bien spéculé positivement sur le prochain cycle. C'est là où finalement nos convictions sont aussi pas mal euh, passées au grill en continu. Est-ce que euh, plus tard, ça va être optimisme Est-ce que ça va être arbitrum Est-ce que d'un seul coup, Atom Cosmos va retrouver toute sa superbe d'un point de vue spéculatif alors qu'il est très bon fondamental, euh, m'en parlant mais la spéculation n'a pas l'air de vouloir beaucoup le pricer agressivement. Donc c'est plein de petits détails en fait, où on a sans arrêt la, la collision entre le côté spéculatif et le côté fondamental, et parfois les deux ne se rencontrent pas. Tu peux avoir un projet qui est excellent et qui ne va pas être valorisé par le marché, tu peux avoir Shiba ou Dogecoin tous les gens, les petits porteurs, les petits particuliers se chauffent dessus, se le recommandent les uns les autres, et le truc, il va être valorisé des milliards. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté, à essayer d'exploiter pour ceux qui veulent aller sur des mêmes coins ou des trucs comme ça. Les petits portefeuilles, je sais qu'il y en a plein qui essaient juste de se positionner sur des trucs comme ça. Il en faut, voilà, il faut de tout. Et c'est vrai qu'après, pour les dossiers un peu plus en particulier, c'est le cas d'ailleurs de Celestia, tiens, si j'arrive à choper le token de, de Tia, euh, c'est complètement barge ce qui s'est passé du côté de Celestia. Euh, on a un token qui nous a fait un only up, on a une valorisation qui est complètement folle pour le coup, et pour l'instant, ça laisse se poser pas mal de questions, comme c'est un projet qui est tout récent, de jusqu'où il peut aller. Et là, c'est là où c'est difficile à répondre quand tu as un truc qui te fait ça en début de, de cycle. Bien entendu, ça peut continuer de monter, etc., avoir une valorisation complètement folle euh, et continuer de, de nous offrir de très belles choses, d'autant plus qu'il y a des projets euh, qui permettent de faire des airdrops, etc., sur Celestia. Mais il y a un jour ou l'autre, peu importe à quel prix ça va s'arrêter, ou le truc qui va commencer à faire ça, hop. Allez, derrière, et tu, tu connais la musique. Donc, euh, les actifs comme ça, qui connaissent un essor et une effervescence et un soutien communautaire à la hauteur du fondamental qui est très bon pour Celestia, et qui sont pricés relativement vite et relativement agressivement, la question pour quelqu'un aujourd'hui qui ne serait pas sur Celestia, c'est quand est-ce que je rentre quand tu as un truc comme ça Et là, la question, elle est excessivement difficile à répondre. Donc euh, c'est plutôt ça qu'il faut prendre en considération en fait de votre côté. Est-ce que l'actif a déjà vécu un cycle Est-ce que l'actif a déjà prouvé sa résilience Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop d'argent qui est rentré dessus et le truc il n'est pas trop capitalisé Et après à partir du moment où vous faites ce petit travail en amont, vous pouvez euh, voilà répondre à ce type de questions. Là aujourd'hui ce que j'observe en tout cas par rapport à Celestia, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont vendu autour de 2 dollars ici et qui s'arrachent les cheveux de le voir à 20 dollars. Alors, est-ce que c'était mal de prendre ses profits à 2 dollars probablement pas. Est-ce que dans la phase de marché dans laquelle on était au moment où Celestia a été introduite à l'automne 2023 quand tout chauffait, c'était le moment de les bazarder immédiatement plutôt que de les staker et d'aller chercher du rendement La question peut légitimement se poser, mais je comprends les deux hein. Les personnes qui vendent immédiatement, comme les personnes qui gardent et qui essaient de faire fructifier, on n'a pas la réponse à l'avance. Et c'est quelque chose aussi qui est très important de noter, puisque là, Celestia a été très porteur. Ça a été positif pour tout le monde, tant mieux. Mais quand vous investissez dans un projet, admettons Celestia aurait fait une public sale. Vous auriez pu rentrer, allez, 50, 100, 500 dollars sur Celestia. Peut-être que le truc, il se serait éclaté au sol au début, puisque tout le monde aurait vendu. Donc, il euh, y a plein de trucs à prendre en considération sur le fait que quand un jeton comme ça est lancé, eh bien, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Le projet derrière n'est pas aligné. La communauté n'est pas trouvée. Ils n'ont pas le budget pour du marketing ou pour essayer de faire parler d'eux. Et voilà, là, Celestia, ça a été le fondamental qui les a poussés. Parce qu'ils ont une très bonne team et malgré tout, la communauté de par elle-même en a beaucoup parlé. Donc derrière, ça a permis de le propulser. Mais dans tous les cas, on ne sait jamais à l'avance comment ça peut se passer. Et comme disait euh, Roland euh, le Normand, c'est pareil, c'est la même chose effectivement pour Tao Bintensor. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, de tout ce qu'on devait voir pour aujourd'hui. Une heure ensemble, c'était vraiment cool. Euh, que dire de plus Vous aurez certainement ce replay qui sera disponible du côté de YouTube, peut-être. Là, dans la foulée. Je vais voir, je vais la balancer telle qu'elle, quasiment pas montée. Et demain, samedi, vous aurez la quotidienne, la matinale, peut-être que de 10-15 minutes, parce que je ne ferai pas le, le, le grand laïus que j'ai fait aujourd'hui, bien entendu, mais qui permettra de condenser un peu tout ce qui s'est passé cette semaine, et notamment de vérifier où en sont Grayscale et les ventes qu'ils font en ce moment par rapport aux ETF Spot. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont y être, et euh, bon courage pour ceux qui sont au boulot. Bonne journée et à plus. Ciao, ciao.